Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Oh. Je représente les industriels de la bière. De la bière? Oui, mon bijou. Tu es seule? Oui, madame. Vous voulez rentrer? Ah oui. Allez, venez avec moi. Ah, tu es si gentille avec une bonne pièce bave. Tu chantes par ce grand soleil. Tu dois avoir bien soif. Que dirais-tu d'une bonne bière industrielle? La première est gratuite. Oh oui, elle a l'air bonne. C'est parce que nous, les industriels, nous dépensons énormément en packaging. Au moins, c'est beau. Tu regardes nos publicités, jeune fille? Ah oui, mais je comprends pas tout parce que je ne suis qu'une ménagère de moins de 50 ans. Parce que tu t'es montrée si gentille avec une bonne vieille. Je vais résumer pour toi. Ce n'est pas n'importe quelle bière. C'est une bière qui exauce les vœux. C'est vrai? Comme les politiciens? Oui, une gorgée et tous tes rêves les plus chers se réalisent. C'est vrai, le lobby industriel a tellement d'influence sur moi. Oui, jeune fille, alors fais un souhait et bois-moi ça. Ton petit cœur doit bien désirer quelque chose, non? Peut-être y a-t-il quelqu'un que tu aimes? Oui, oui, il y a quelqu'un. J'en étais sûr. Les industriels connaissent le cœur des consommateurs grâce au vol de tes informations personnelles. Allons, prends la bière, chérie, et fais un vœu. Je voudrais... Bois. Je voudrais que mon prince m'emmène dans son château, et que lui et moi, nous vivions heureux à jamais. Bien, bois maintenant, si tu veux que ton vœu débile se réalise. Oui, son sens critique va s'arrêter, et tout son argent va nous revenir, oui. Je me sens toute drôle. Ah, bientôt, nous serons les seuls à vendre de la bière sur Terre. Eh ben, les amis, on se retrouve pour un nouveau brassin, une nouvelle dégustation plutôt. Brassin, numéro 6. Et cette fois, on va déguster une bière blanche. Qui n'est pas blanche. Rouge. Non, blanche. Ah. Qui n'est pas blanche, alors explication. Bonjour mesdemoiselles et bonjour à tous. Effectivement, il n'existe pas de bière de couleur blanche. Il s'agit en fait d'une erreur de traduction de l'allemand, due à la proximité des mots Weizen, qui veut dire blé, et Weiss pour blanc. Donc la Weizenbier n'est pas une bière blanche, mais une bière de blé. En effet, les Weizenbier doivent être composées avec au moins 30% de blé malté, ou froment, ce qui leur donne cette robe trouble, voire laiteuse, caractéristique de ce type de bière. C'est tout pour aujourd'hui, ici Professeur Ripailleur en direct de Chicago, à vous les studios. Au revoir, professeur. Voilà, qu'est-ce qui nous est arrivé sur ce brassin? Peut-être une infection, peut-être. Alors, ça s'est bien passé, il y a eu une première fermentation dans la tanière. Ouais, ça a bien roulé. Et avant de passer en bouteille, on fait toujours une petite dégustation. Et on a eu sur la densité. On a eu un léger pic, un léger soupçon d'acidité. On a une acidité. Alors, on pense. C'était pas désagréable à boire. Non. C'était pas une acidité comme une gueuse, par exemple, une bière française, une gueuse où c'est très acide. On a. Oh la gueuse! Merci la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Voilà, c'était pas ce niveau-là. Non, hein, au nez, elle sentait très bon et ça rappelait tout à fait une bière blanche qu'on prend en terrasse l'été. Dans un bar. Voilà, la couleur était jolie, on va voir ça, hein. Je pense que ça, pour ça, ça n'a rien à changer. Donc on va voir. Hein. Donc on va passer à la dégustation, mais avant la dégustation... Le résultat du concours, Olivier. Personne. Voilà. On a pas fait de concours. On a oublié de faire le concours, c'est les vacances et tout. On va mettre en place le concours, vous allez tenter de gagner, voilà. Et puis on vous donnera la réponse en vidéo prochainement. Exactement, pareil, on laissera une semaine. Du coup, si se peut que... Il y a une semaine où vous fassiez le concours pour la bière blanche, Blanche-Neige et 7 Malte.
et que la semaine juste après, vous fassiez un autre concours pour une autre bière. Quoi ? Ouais ! Deux concours ! Ouais, deux concours, pas plus d'un ! Voilà, c'est tout ce qu'on a expliqué. Si, je voulais parler un petit peu des Ripailleurs VIP. Hein, vous savez qu'il y a différents niveaux, ça en fera une vidéo exprès pour les Ripailleurs VIP. Voilà. Aujourd'hui, on a un VIP, mais vous le voyez, il n'est pas avec nous. Non, parce qu'il a choisi de ne pas apparaître sur la vidéo et... Il a le droit, pour des sujets de confidentialité. Voilà, parce qu'il travaille au FBI. Masquer sa présence. Ouais. Hein, c'est un tueur à gage, un truc comme ça. Bref, il est là, il est derrière la caméra, on va discuter avec lui, donc vous le verrez pas, on va changer sa voix. Bon, je trouve qu'on parle trop, il faut qu'on passe à la dégustation. Moi, ça m'a donné soif de vous parler. Alors, on va vous montrer cette superbe bouteille. Ouais, voilà, sans étiquette. Belle bouteille, voilà. Sans étiquette. Bah non, ouais. Alors, en vidéo, vous devez pas vous rendre compte. Donc, mais, John, c'est très clair. Si tu regardes la vidéo, mets-toi le cul, ok? Étiquette. Voilà. Non, prends ton temps, on est à la cool, pas de soucis. Si tu pouvais finir tes vacances plus tôt. Attention! Le pop. Donc là, elle a refermenté dans l'armoire à fermentation, normalement. Putain. Un pop fort. Très puissant. Ça déborde pas, donc il n'y a pas eu resucrage trop élevé. Ça mousse de ouf. Alors ça, je m'y attendais à que ça mousse bien, parce que... Belle mousse. Donc là, vous voyez, il y a un joli collet de mousse. La bière est légèrement trouble. Hein, mais pas aussi trouble qu'une bière blanche, ouais. Je dirais presque une bière blonde. Ouais, je mets pas au bon endroit. Voilà, on me dit en régie que je mets pas au bon endroit. On me dit en oreillette. Voilà. Donc vous voyez la superbe couleur, elle est dorée, elle est très belle, il y a un joli collet de mousse, on va goûter ça tout de suite. Alors là, c'est la bonne surprise. L'acidité qu'on avait, non, pas d'acidité, pas présente. Elle est partie, mais beaucoup de mousse, on sent bien, ça mousse beaucoup en bouche. Et, elle est très agréable, elle est très mousseuse. Elle a une petite acidité quand même, on a un petit goût citron agrume quoi. Agrume, j'allais dire, ouais. À l'odeur qu'on retrouve pas, l'odeur. Pas trop en tout cas. Non, elle est très très bonne. Du coup, monsieur le VIP, qu'est-ce que vous en disez? L'odeur, c'est bien l'odeur de bière blanche, ça y a pas de soucis. Et au goût, elle a un petit piquant. Bien que je ne suis pas, comme je leur avais dit, un très grand amateur de bière blanche. Mais ça me rappelle les bières blanches que j'ai pu déguster en étant en Allemagne, notamment en Saxe, à Dresden, qui est une jolie ville que je vous recommande de visiter. Hey, merci. Hey, donc c'est un agent secret, hein, ouais. Vous le savez maintenant. Succès. Campai. Santé. Et puis, Choubi Dubaï. Choubi Dubaï. Allez. Pas un cliché, une personnalité. Alors bois une bonne ripailleuse. Yeah.